Bonsoir à tous, c'est Aplixo, on se retrouve aujourd'hui sur Bomber Crew pour la suite de nos aventures et aujourd'hui je ne me souviens plus du tout de ce qu'on avait prévu de faire. C'est loin. Et c'est une moyenne. Nope. Nope. En plus on a un chasseur ennemi dans la zone donc... Nope. Moi je fais ça. On va faire cette mission, je sais absolument pas si ça va être notre mort ou pas. Mais on décolle. On va rentrer les trains d'atterrissage quand même, que j'oublie pas. Passer Marius à son poste. Faut juste qu'on détruise une usine. Tout le monde a les calibres 20. Tout ira bien. Plus on a des grosses balles, mieux on se porte. Ok, concentration. Tu peux en abattre quelques-uns avant qu'ils arrivent. Sachant qu'ils nous arrivent droit dessus. J'ai déjà notre cible. En position, ouverture des portes, sélection d'une bombe. Appel des Spitfire. Je veux garder les compétences pour quand là ça arrivera. Et clic. Est-ce que je prends le risque? Oui, je le prends. Concentration incendiaire. Concentration incendiaire. Recharge. Où est-ce qu'il... Ah oui, Marius doit recharger, mais c'est pas... Ok, on prend la photo et on se met bien. Nos réserves d'oxygène qui prennent un petit peu, mais c'est pas grave. Ok. J'ai plus le marquage auto. Wow, 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 qu'est-ce que c'est que ce bordel? Turok, viens ici. Éteins ces deux feux. Et on l'a battu! Yes! Wow, wow. Pff, c'était un missile ça! C'était un missile. Ça, c'était un missile. Bon, on est bien. On est... C'est ça, bon. C'est bon. On a abattu un as de plus. On a abattu un as de haut niveau. Nico... Nax... J'arrive pas avec l'allemand, hein. j'ai vraiment pas le truc pour parler, pour prononcer les mots allemands. On a préparé les... Oh, j'étais dans un Spitfire. Y'a pas de pilote, ah si, c'est bon, je vois le pilote, je crois. Tu dois avoir un problème, tu vibres beaucoup là quand même. Ah bon? T'as un problème, t'as pris un peu trop de balles. Cet avion, c'est un vibro. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te sens bien, t'es sûr? Ah, c'est n'importe... Comme ça, on dirait pas, mais quand on est tout proche, c'est n'importe quoi. Nous, on fait pas ça. Non, on fait pas ça, c'est bon. Ah, c'était... Oui, non, mais d'accord. Normal. On a abattu ce chasseur en attendant. On a abattu le chasseur adverse. Pourquoi est-ce qu'il vole au-dessus de moi en continu?
Ah, c'est peut-être parce qu'il est buggé sur moi. Voilà, c'est bon, on a changé de hauteur, il a pu se libérer. Je crois qu'il était en mode, je veux pas faire une collision. Donc j'essaie de t'éviter. Je crois qu'il t'est buggé. Qu'est-ce que ça dit, nos réserves de carburant? Oh, on était large. On était large. Ça s'est très bien passé, je trouve. Mis à part le missile qui a failli nous toucher à la toute fin, ça s'est très bien passé. Le missile était juste un petit peu dangereux. Tout petit peu. Résultat de la mission, qu'est-ce qu'on a du coup? Usine 1200, mais... Lui, mort par contre. Putain, c'était un des autres qui coûte que 3000. Et 5000 pour la photo. Je suppose que c'est 5000. Ça s'est bien passé. On est bien. Petit level up. Radio. Et ça. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on peut faire sur notre avion? Je me souviens pas. Je pense qu'on est bien. Les tourelles sont largement... Ah ok, tout le monde est à bande de munitions, j'avais oublié. Je pense qu'installer 2 ou 3 missiles serait une bonne idée. 2 missiles. On va installer 2 missiles. Et augmenter le fuselage. Blindé Mark 5, blindé Mark 5, blindé Mark 6, voilà. Non, on passe au-dessus du poids maximum qu'on peut accepter. Et le milieu en Mark 6, je peux pas. C'est trop cher et je dépasse le poids. Donc comme ça règle le problème. Là, je crois qu'on est au top. C'est tentant. C'est tentant. Et ça paye pas trop mal en plus. Mais ça, c'est tentant. C'est vraiment tentant de réduire les dégâts ennemis. Par contre, risque élevé. Mais il n'y a pas de chasseur ennemi, donc on peut le faire. Il n'y a pas de chasseur ennemi, donc on peut le faire. Marius, en position. Il faut juste pas que je me perde. C'est le plus important, ne pas se perdre. Speed boost! Allez, on y va! Pleine vitesse, là on devrait être pas mal. Je pense qu'on arrivera assez vite sur zone. La question c'est, est-ce qu'on va réussir à bombarder comme on veut? C'est encore une destruction de l'usine, donc ça reste assez fiable, assez gérable. Oh, ces deux missiles. C'est les missiles de la beauté. Hein. Je suis pas tenté de voler plus haut. Même si on pourrait. Mais de nuit, de jour, on verrait rien. Donc je pense pas que ce soit une bonne idée. Qu'est-ce que dit la carte? On est à mi-chemin presque. On a visiblement des canons flaques en face de nous en pleine mer. Ou alors c'est la côte que je vois. Ah oui, hein, il doit y avoir la côte pas loin. Je crois qu'on a des canons flaques devant nous, donc on va passer en moyenne altitude histoire de les éviter. Chasseur ennemi. Je pense que les Allemands détestent notre équipage. Ouh, ça c'est un chasseur très rapide. Ça c'est un petit peu rapide pour un chasseur normal. Alors, si vous arrivez à les toucher à travers les nuages, moi je dis GG. Hein. Eh ben, ils y arrivent. On est en plein dedans, on dirait. Haute altitude. Tu sais où on est sur la carte? Non, pas grave. On va attendre un certain temps. Ça y est, on évite les dégâts. Aïe, j'ai rien dit.
On n'est pas encore en haute altitude, hein. Ça prend du temps d'atteindre la haute altitude. Mais théoriquement, il devrait avoir un petit peu plus de mal à nous toucher. J'ai l'impression que tout est en dessous de nous, donc ça devrait plus trop poser de problème maintenant. C'était probablement juste une idée. Bon, de toute façon, on voit plus rien, donc... Ouh, Palmat, qu'est-ce qui t'a... Ouh. On va repasser en basse altitude. Marius, est-ce que tu peux... Non, tu peux pas le soigner. Bah, on va faire ça. Palmat, tu vas t'en tirer, c'est bon. C'est bien là. Pour le moment, tu vas largement t'en tirer. On a juste ce chasseur extrêmement rapide qu'il faut abattre. Ah, on l'a eu visiblement. On a la cible. Plongée d'urgence. Ça devrait nous faire chuter pas mal au niveau de l'altitude. Ghost a la cible sous les yeux. Ce que je vais faire, c'est que je vais appeler les Spitfire. Demander à Ghost. Ouf. Ok, c'est... On a décidé qu'on allait lâcher la Tsar Bomba aujourd'hui. Ah oui, littéralement, là, c'est... Alors... Moyenne altitude. Et on largue la bomba. Ah, je l'ai raté. Mais on devait éviter... On devait éviter la... On devait éviter la zone de dégâts. On devait éviter la zone de dégâts, c'était trop dangereux sinon. Ok, maintenant. Ah là, on peut pas rater, là. Hein. Ok, retour à la base. On a des ennemis un petit peu partout. Mais nos chasseurs devraient arriver assez vite. Sauf si je mets pas le marquage auto et qu'on continue de se faire canarder comme ça. Ok, là, on va fermer les portes et passer au canon. Ok, là, il va falloir qu'on fasse une petite chute violente. Ainsi que demander un ralentissement parce que... Turok, il faudrait que t'éteignes un feu, s'il te plaît. Je l'ai senti venir à 2 km celui-là. Parfait, le feu est éteint. Je prendrai pas de risque. Benji a déjà pris beaucoup trop de dégâts. Basse altitude. Benji doit être soigné là. C'est plus. C'est pas gérable trop. Ok. Vrille. Ok, c'est pas grave, Turok, tu vas t'en remettre. Retour à la... Non, c'est pas le moment, là, les gars. Marquage auto rechargé, marquage auto. Juste pour être sûr. Ok, Benji est soigné. Marius, tu peux retourner à ta place. Benji, retourne à ton poste ici. Concentration incendiaire. C'est réglé. Marius, faut que tu recharges. L'avion a pris un peu cher, mais ça va, ça, il tient encore en un seul morceau, ce qui est en fait plutôt un miracle, mais on va pas se mentir. Ok, haute altitude, il fait nuit, on peut profiter de la navigation par les étoiles. Marius, il faudrait que tu répares ça vite fait. Benji, on a perdu un moteur. Bon, ils sont auto-réparants.
C'est moi ou on a que deux moteurs? Je crois bien qu'on a que deux moteurs là. Marius prend un... Là on a vraiment besoin de toi sur l'aile. L'avion tiendra pas beaucoup de manœuvres si on continue comme ça. Benji passe sur la tourelle intérieure. Je sais que c'est un petit peu haut là, mais t'en fais pas Marius, tu gères. Très peu d'oxygène, mais ça va, il devrait s'en tirer. Est-ce que tu peux réparer ce truc au passage? Ça va être vite réparé, parfait. On n'a pas perdu le train d'atterrissage, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Marius rentre à l'intérieur et on va faire une plongée vers le bas. Fermé. Plongée. On est proche de la base de ce que je sais. Tu vois, qu'est-ce que ça dit au niveau de l'essence? C'est pas glorieux. C'est pas glorieux, on va dire. C'est pas glorieux, mais on est vivant. C'est déjà pas mal. Cette mission était plus dure. Cette mission était bien plus stressante que j'aurais aimé. Mais j'avais pas de quoi lancer les missiles, en fait. Je sais pas trop quand les lancer. Je sais pas trop quand les lancer, en fait, les missiles. Ils sont utiles vraiment contre les boss, sinon... C'est bon, je suis déjà dessus. On va atterrir de l'autre sens, cette fois. Donc le jeu gère bien le fait qu'on puisse atterrir des deux côtés d'une piste d'atterrissage. C'est bon à ça... Oh la vache. C'est plus un gruyère, là. Ça peut... Il y a des trous, littéralement, là. Comment est-ce que ça tient encore un seul morceau? Et comment est-ce qu'ils sont pas morts, eux? Bon, ils sont presque morts, mais... Waouh. Ce qu'on a pris... Bon, après, ça paye bien. L'usine de char, 6000, ça paye quand même pas mal. Bonus de retour à la base, c'est quand même 4000, donc c'est 10000 d'un coup. Hein. Et on va level up sur Dark Void qui va pouvoir avoir un niveau de communication en plus. Je sais pas s'il y a un niveau de plus. Hein. Nouvelle comp... Oh bah, on l'avait déjà, appelé des Spitfire. J'ai l'impression de m'être fait avoir, là. Ou alors on peut appeler deux fois les Spitfire. On peut appeler deux escadrons. Ah non, c'est le temps de recharge de l'appel des Spitfire. Voilà, vous avez compris, vous savez lire. Ok, ça non. Est-ce qu'on a débloqué? Est-ce qu'on l'a débloqué? La mission? Toujours pas. Toujours pas. Ça pourrait être intéressant de réduire encore plus les dégâts ennemis. Ça pourrait être intéressant. Mais sur ce, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo, aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne. Mais sur ce, à dans la prochaine vidéo !